Hey, salut tout le monde! Comment on se retrouve aujourd'hui? Du coup, bon, désolé, hein, je parle un peu du nez, je suis un petit peu malade. Là, je sors d'une bonne vieille grippe. Du coup, on se retrouve, si je dis pas de bêtises, c'est pour l'épisode 10 de Star Fox Adventure. Et on est parti! Du coup, on est à 88% déjà. Donc, on avait découvert le chemin pour l'océan. La dernière pierre magique avait été placée. Et du coup, il nous fallait notre dernier esprit Krazoa qui était au temple. À la cité fortifiée. Voilà, exactement. Alors, bon, ça fait un petit moment déjà. Je suis pas venu dans le coin. J'ai pas joué du tout, pas se mentir. Petit conseil, faut se parler au roi. Il y a beaucoup d'endroits que tu n'as pas encore découvert. La carte indique qu'il y a deux énormes temples de l'autre côté des ponts. Ok. J'aille me faire les deux temples. Merci d'avoir remis les pierres magiques. De rien, ça t'avait de grand plaisir. Que vous l'auriez pas remercié, vous êtes toujours coincé sur cette roche flottante. En envoyant les pierres, scalpe auquel visant notre planète. En envoyant les pierres magiques, Fox a pu le courant d'énergie magique. Cependant, ce n'est qu'avec le pouvoir des esprits Krazoa. Les parties arrachées de la surface pourront retourner à leur emplacement. Que je pourrais trouver un ici, dans la cité. Alors, il est où? On fait le feu ou la lune en premier? Et on va faire le... de ce côté-là. Bon, bah, c'est la lune. Le temple du soleil, le temple de la lune. Allez, où les murs s'effacent, le temps sera contre vous. Il va y avoir du timer. Et celui-là ici. Et il viendra là. Là ici. Donc il manque toujours celui-là. Réfléchissons un petit peu. J'ai le droit qu'un seul essai. Là. Lui qui me pose problème. Ok, direct. Premier casse-tête.
Il n'y a pas une boîte ou un truc comme ça qui pourrait me les bloquer. Ça pourrait être pas mal. Pouvoir précis. Là, dans tous les cas, c'est ici. On n'a pas de choix. Je crois que c'est ça. Ah non, c'est pas ça. Ah, celui-là, faut que je le laisse en place. C'est bon, j'ai le truc. Si. Là-haut. Un passage là-haut. Il faut aussi que j'aille vers l'autre côté. On va faire le tour quand même. J'espère que j'ai rien oublié. Il y a l'air de... Il n'y a rien autour du temple, ok. On va passer de l'autre côté, hein. On va se faire le temple du soleil. Votre but semble plus près que vous ne le pensez, mais la réponse n'est pas toujours aussi simple. Ah, une petite faute. Voilà, c'est le même principe, ok. Alors, celui-là, dans tous les cas, on n'a pas le choix, faut qu'il soit là. Et on n'a pas d'autre choix non plus. Il y a ici. Ok. Non, j'ai le truc. J'ai le truc. À moitié, quoi. Si. Non. Viens là, hop, tu viens te bloquer là. Pas de lui. Tac. Une fois qu'on a la mécanique, ça va tout seul. Et là, ça s'ouvre. Et c'est tout. Pas ici. Je peux faire quelque chose au niveau du... En haut, thank you.
Donc c'est ça, c'est ouvert. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Non, le cœur que vous avez sauvé est un grand ami. Merci, Fox. Et... De rien. Notre tribu pourrait bientôt revenir à la cité. Oui. Attends, là où? Il y a un petit temple. De l'autre côté, c'est pareil. Ah là, par contre, il y a un truc à faire péter. Ils ont tout pété. Il n'y a rien de spécial non plus, ok. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Et bonne question. L'esprit, une fois que les pierres lunaires et solaires seront ramenées au temple. Pierres lunaires et solaires. Je sais pas de pierre où tu dis là. Lunaires et solaires. Quoi faire, tu dois ouvrir chaque temple et entrer et prendre les pierres solaires et lunaires pour ensuite les mettre à l'endroit où tu as mis les dents. Et les difficultés va parler au partout. Tu dois ouvrir chaque temple et entrer pierres solaires et lunaires pour ensuite les mettre à l'endroit. Donc là, théoriquement, les temples sont ouverts. J'y rentre. Comment? Je veux bien. Est-ce qu'il me faut les dents justement? Faut que j'aille récupérer les dents, non?
Ok, bon, on va essayer de rentrer dans le temple central, on verra bien. On verra bien. Et quoi, lui? Là où les murs s'effacent, le temps sera contre vous. Là où les murs s'effacent. Ah, mais ça m'est pas beaucoup en vrai. Oh le bordel. On peut plus passer, ok. Et quelque chose de tout en haut. J'en ai des passages pour aller au. Hello, va t'écraser en bas. C'est là où il y avait les dents. Ouais. Aussi. Comment est-ce qu'on fait pour rentrer dedans aussi? C'est ça que moi je veux. Rien du tout. Et qu'on a un objet sur nous. Votre doute semble plus près que vous ne pensez. Mais la réponse n'est pas toujours aussi simple. Réponse que vous ne pensez. Réponse pas aussi simple. J'ai rien compris, j'ai déjà oublié leur truc. Non, là, t'as un truc qui papillote. Qu'est-ce que c'est?
Ah, il fait nuit. Je vais essayer de rentrer dans le... temple de la lune. Il fait nuit. J'en sais rien du tout, je me dis... plus simple que vous ne le pensez. Et c'est pas toujours aussi simple. C'est qui nous dit non? Là où les murs s'effacent, le temps sera contre vous. Là où les murs s'effacent, pas de... Temple de la lune, on peut y aller que pendant qu'il fait nuit, et temple du soleil que quand il fait jour. Non? Un truc du genre? Il fait bien nuit là quand même, non? Elle est où la lune? Il n'y a même pas de lune. Il est là. Elle fait quoi? Elle s'en va. Et... peut-être qu'il y a peut-être juste un tout petit créneau. Sans la lune, là, elle se casse. Donc, faut... là où il y aura le soleil, là il commence à faire jour. Non, pas du tout, si, un petit peu. Essayer de voir où est le soleil. Ça. Soleil. Le soleil, il est là-haut. Il est en train de se lever, gentiment. On va attendre voir là où il passe. Maintenant, il devrait se coucher vers là-haut. Ça fait un peu long hein, si on attend tout ça. Sinon, ouais, je vais en profiter tout de suite. Je sais pas si j'ai le temps ou pas aussi. Ah si, j'ai le temps. On va regarder ici. On va rester là, immobile. Je reviens de suite. Alors le soleil. You. Il est là-haut. Tente gentiment hein, que ça vienne jusqu'ici. Hein. Jeter un œil quand même de temps en temps. Ouais, je pense qu'il va se coucher en face. Et c'est quand il va aller se coucher que... il va y avoir un truc à faire. Je pense que c'est le coup, c'est pas du tout ça. Et là, je porte pour rien du tout.
d'attendre gentiment. Il arrive. Il dit quand les murs s'effacent, le temps est contre vous. Je pense que ça doit être ça, hein. Le mur il s'efface en face. Le mur il fait des vagues là. Donc... Ah. Et on entend que ça papillote. Je sais pas pourquoi. Tant que ça papillote, déjà. Je vais couper ça 5 minutes. Hein. Et le soleil. Il est là-haut. Donc ouais, il arrive. Le soleil arrive là-haut. Doucement, mais sûrement. Le soleil il est là-haut. Il n'y a rien qui se passe. Peut-être pas du tout, du coup. Hein. Les murs se font. J'y comprends rien du tout. Encore un petit peu, des fois que. Non. Tac tac, qu'est-ce que ça pourrait être? On est un jette un œil du coup. Hein, parce que... dans la merdouille sinon. Ok, c'est là que je vais aller. Ok. J'essaie de suivre un peu une soluce sans trop spoil, hein, parce que sinon on va y rester 5 ans.
Ok. Alors attendez. Le truc à faire là. C'est de regarder au fond. Ils sont sérieux. Ah, j'aurais pu chercher, mais des siècles. Il faut juste regarder au fond. Donc ça nous ouvre le temps. Voilà. Alors maintenant, ah non, pas ça. Ah oui, non, mais ça. Il faut que j'enfonce à fond. Oups. Pas du tout. Voilà, attendez ça. Merde, j'ai plus de magique là. C'est un buté. Hein. Ben, vous voulez bien me laisser tranquille 5 minutes là ou comment ça se passe? Ok. Chauve-souris de feu là, elle me rend dingue. Impeccable. Déjà, dingue. Sauf d'ici parce que ça me rend dingue. Alors ici, il y a quoi? Il y a ça qu'il faut taper. C'est là. Une magique. Ah.
Merde. Ok. Vite, 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 vite. Ça passe de justesse. Hein. Donc c'est que c'était sérieux. Ok, ok. Là, il faut qu'on récupère. Là, bonne magie. D'accord. Donc c'est pas celui-là en premier, donc il doit y avoir un ordre. C'est celui-là. Ok. Merde. Ok. Celui-là. Après, celui d'en haut là. Et oh là, celui qui. J'ai plus de magie. Ah ouais, alors tout c'est direct. Hein. Ok, bingo. Ok. Et après ça, c'est tout. Ah, un passage, ok. Ah, pour récupérer la pierre, ok. Solaire, passer là sous le temple pour découvrir le sanctuaire Kradora. On va récupérer ça, donc on est là. Ça va, les temples sont pas si compliqués quand même. Au prochain. Prochain temple de la lune. On va un petit peu le tour récupérer la, notre vie hein, quand même. Mettre de se faire avoir donc théoriquement il ne devrait pas y avoir de chauve-souris de feu. C'est le temple de la lune, peut-être de la glace, des trucs comme ça en plus. Ils auraient pu nous donner un indice quand même un peu plus concret dans le fait qu'il faut juste zoomer dans le rond quoi. De regarder au fond du trou ou... ouais un peu plus hein quoi. Ah, direct
Merde. Ok. Quel délire. Allez, dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. Merci. On est ok. Et là, faut juste que je claque ça. Il meurt. Hein. Je secret invisible. Oh oui, c'est vrai quand même. J'ai vu le timer, mais c'était serré. Ok, même principe. Tac, après. Non, après c'est... Oh. Oui. Eh, c'est dur de rester bien axé. Hein. Ok, bingo. Et on a notre pierre lunaire, du coup. C'est une pierre lunaire, placez-la sous le temple pour découvrir le sanctuaire Azor. Pas loin des flammes, là. Il s'en jaillit. Ouais, c'est composé d'un labyrinthe. Après, du disque pour tirer sur les boutons. Bon, les deux sont identiques, quoi, en gros. Il y a juste un, tu vois le labyrinthe, l'autre, tu le vois pas. Direction sous le temple. Non, et pas ici. Ouais, c'est ça. Et bien cela. Alors, la pierre du soleil. Et qui me gratte du coup, quand même. La petite pierre lunaire. Parfait. Oh, il est. Ok, du coup ça ouvre le toit du temple. Ah mais tout à l'heure, j'avais raison hein, de me dire qu'il allait y avoir quelque chose sur le toit. C'est pas si fou quand même.
pas voir. J'ai beaucoup plus vite. Oula, l'entrée est par derrière. Direction le dernier esprit. Heureusement qu'ils font pas 500 mètres hein, les échelles. Non, et pour un épisode complet. Ça nous sortir un demi-cœur monstrueux. Ok. Ah oui, mais faut peut-être que je ouvre la porte. Comment on fait pour la porte? Impeccable, on a le dernier esprit. Maintenant il va nous demander de faire un petit jeu là, en plus. Épreuve 5, l'épreuve de connaissance. Faites correspondre les objets au niveau. Si vous réussissez, vous pourrez me ramener au palais. Hein? Pourquoi? Oh merde. Alors attends, la dent, c'était pour... la dent, c'était pour ici, non? Oh lolo, ça c'est quoi ça? Ça c'est un totem, non? Le totem, c'était pour ça. Ah ok, ça le valide. Donc l'autre, c'était pas clairement pas pour ça. Ça c'est quoi? Ça c'est un caillou de lune. C'est pas pour ça. Ça doit pas être pour ça non plus. Enfin, ça j'aurais peut-être dit que c'était plutôt pour là-haut. Ah il manque un. Alors attends, ça je vais le mettre ici du coup. La flûte. Peut-être pour le temple là-haut. Là. Ah non, il nous a ramené au tout début. Arrête. Ah merde, je sens qu'on va le faire un paquet de fois celui-là. Oh, faut jouer stratégique. Essayer de faire ça stratégiquement, tu vois, faut le faire. On s'en fout, de toute façon on va y passer 15 fois. À un moment, il va peut-être falloir que je fasse attention parce qu'il n'y a pas de la vie limitée. Hein.
Oh, du premier coup. Hop ça. La connaissance, ok. Ah, attends. Ah. Ça, c'est pas ici. Non, c'est pas là. Non. Ouais, bingo. Ok. Après, on a la pierre de lune là. Je ne sais pas ici, ça serait peut-être là. Non, c'est pas là. Merde. C'est pas là, c'est où? Peut-être en face là? C'est pas là non plus. Eh merde. Là, si, c'est dans l'espace. Boulé. La corne, c'est ici. Non, c'est pas là. Je vais me faire un schéma, je crois. Ah si, c'est là. Ok, la corne au temple. La corne au temple, ok. Ça c'est ici, normalement. Oh là là, faut aller tellement vite. Non. Ah les gars, je vais me faire un schéma. Hein. Je vais clairement me faire un schéma. Donc. Comment est-ce que je vais pouvoir me faire ça? Faut que je me fasse un petit paint. J'ai un stylo dans le coup. Parce que clairement, je vais jamais y arriver. Voilà, attendez, est-ce que j'ai pas ça sur ma tablette? Merde. Oh, ça fait rien. Non, ça fait rien. Alors. J'ai pas un truc pour dessiner. Un petit paint ou une connerie comme ça là-dedans. Non, j'ai pas ça. Attends, là-dedans, on doit bien pouvoir dessiner sur un truc. Pas de photo là-dedans aussi. Je sais pas, je vais me faire un. Je vais me faire un doc take. Texte. Alors. Paf. Alors, on met. La corne, c'est le temple. Ok. La pierre. C'est sur la lune, on va mettre. Pierre, c'est sur la lune. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? La trompette là. Trompette, je sais plus. C'est pas. Non. Parti, hein. Oh merde, combien de. Je vous laisse mettre en commentaire combien de temps est-ce qu'on va mettre pour réussir ça. Plus le timer a l'air serré. Hein. Je vais déjà noter tous les. Faire attention pour ce niveau-là. Ah, ça me met des coups de pression, c'est vrai.
Merde. Pas si. Du coup, une fois arrivé là-haut, je vais déjà noter les différents niveaux. Oh merde. Oh, et je tombe. Ah, ça me ramène pas au début, hein, j'espère. Non, ça va. Ça va. Alors, on a... ça, on va marquer quoi? Pilier. Un plume. Alors de ce côté là on a ah oui là c'est les ouais on va marquer maison pour celui-là. Tac. Donc ça c'est pas la lune, non c'est le... Marqué cratère, hein, ça sera largement. Ok. On a combien? Là, on a le temple, donc pilier, maison, cratère de ce côté-là, le temple, la lune et les colonnes. On va marquer ça. Colonne. On va marquer colonne pierre. Alors ici, donc on a la corne qui vient ici. Ça déjà c'est sûr, la corne c'est pour ici. On a dit qu'on était bon. La pierre c'est pour là-haut. Ici ça doit être un totem. Ici c'était quoi? Oh, je sais plus. Bon bah on va essayer. Hein. Ce qu'on sait, on va pas les faire. Faut que je trouve pour les colonnes de pierre, pilier, maison et le cratère. Alors, la trompette. Trompette, on va essayer ici. C'est pas ça. Ok. On pète les colonnes. Non. La trompette, c'est pour les colonnes de pierre, alors. Du coup. Trompette, colonne de pierre. Ok. Là, la flûte. La flûte, on a dit, c'était... ici. Non. Merde. La flûte c'est pour la flûte, la flûte, la flûte. Les maisons. Les piliers, ok. Alors attends, on va noter tout de suite. Flûte, là-haut, j'ai mis quoi là-haut? J'ai mis quoi là-haut? Flûte. La trompette. Trompette, colonne de pierre. Colonne de pierre, trompette. Trompette. Il me manque la maison et le cratère. Merde. Bon, moi je pense au prochain, ça sera bon. Parce que du coup, donc j'ai la corne. La corne, corne, c'est au temple. La trompette, le truc qui fait comme ça, c'est aux colonnes de pierre. La pierre aux lunes. La flûte. Et la grosse, c'est au pilier. Il manque les deux autres, du coup.
C'est horrible. Si je me serais attendu à ça. Je vais essayer de retenir un peu. Essayer de faire le niveau correctement du coup si c'est la dernière fois. Parce qu'en vrai les gars, clairement un... Oh putain. Ouais, on s'en fout, on crame, hein, c'est pas grave. On n'a pas le temps. Un kamikaze. Et qu'est-ce que c'est qui s'est passé là? Que ça crache. Non. Oh merde. Et merde. C'est pas grave. Sauvegarder en plus, j'espère c'est pas trop loin. Oh là là, non. Dites-moi que ça a fait une sauvegarde automatique quelque part. Pas sûr. Oui, on veut en 60 Hz. Oh non. Allez. Oh, plus de 88%. S'il te plaît, 88%, non. Putain. Oh, on a une heure dans le fiac. Oh punaise, de merde. C'est parti, au moins on sait ce qu'on doit faire. Dinosaur Planet, patati patata, j'en ai rien à foutre. For what good it did? If you didn't notice, you're still stuck up here in this floating rock. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous couper là. Puis je ferai un petit montage hein, pour. Parce que je vais pas vous balancer une heure de jeu. Hein. Allez, petite ellipse. Ah, de suite. Allez, faut que je regarde un truc. Je crois que je peux mettre en pause là. Je sais pas comment et reprendre direct. The spirit will be revealed once both the sun and moon stones are returned to the temple. Enregistrement, non, c'est pas ça que je veux. Clavier. Mettre en pause l'enregistrement. Qu'est-ce que je peux mettre? On va mettre ça. Bon bah, à tout de suite. Ça n'a pas mis en pause du tout. Clairement pas. Ça a clairement pas mis le truc en pause, c'est pas grave. On va trouver. Ah, faut peut-être que je mette un truc pour reprendre aussi. Bon bah du coup peut-être à tout à l'heure. Ça marche pas du tout. Pas un bouton pour couper simplement. Bordel.
Bon bah j'essaye de trouver ça vite fait, hein. On va mettre là. Et là on va mettre ça. Merde. On va mettre ça. Voilà. Ça, ça va marcher. Ok, non, c'est pas cliqué. Ok. Ça. Oh, ça veut pas. On va trouver, on va trouver, vous inquiétez pas. On va trouver, hein, vous inquiétez pas. On va trouver, je vais essayer de trouver si jamais ça va bien marcher. Ouf. Ouais, bon, bah, clairement, hein, ça veut pas. Alors, attends, moi que je fais ça. Et là, ça. Cliquer, ok. Bon bah tant pis, je fais une petite ellipse. Ah, tout de suite. Bah non, bah tout. Ça va pas y aller. Ouais non bon bah ok bon bah on fera un petit montage, allez à tout de suite. Et nous revoilà après notre petite ellipse, donc là je viens tout juste de sauvegarder, hein. On se refasse pas avoir comme tout à l'heure. Alors du coup, pour reprendre la corne, elle va au temple, la trompette aux colonnes de pierre, la pierre c'est pour la lune, la flûte au pilier, et il nous reste la maison et le cratère. Mais ça, on verra bien sur place, je pense que ça devrait le faire. On va essayer tout ça. Bon, faut que... On a le timing correct. Ah, celui-là il nous brûle, l'autre aussi. J'espère que ce sera le bon essai. Oh non, ma gueule. C'est pas grave, pas de temps à perdre. Allez, petit esprit, tu es à lui. Avancez plus. Épreuve de connaissance, faites correspondre les objets au niveau. Si vous réussissez, vous pourrez me ramener au palais. Alors, la flûte, où est-ce qu'il y a les piliers? Ils sont où les piliers? Ils sont là. Ok. Là, on a la pierre. La pierre sur la lune, ok. Après, ici, on a quoi? On a la corne. La corne au temple. Le temple, il est là-haut. Oui. Corne au temple, ok. Après on a quoi?
La trompette, colonne de pierre, c'est là-haut. Non, c'est pas là, merde. Oui, c'est ça, ok. Colonne de pierre naturelle, ok. Après, on a le totem, où ça? C'est tout ce qui nous reste? Ok, merde. Vite, 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 le totem, je pense, c'est aux maisons. Bingo. Et du coup, la dernière qui nous reste, vite, 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 vite. On devrait le faire. C'est là-haut. Cratère. Vite, 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 vite. Impeccable. Oh, bah, il nous a fallu qu'elle leur faire une paire de fois. Au moins, on l'a réussi. Hein. C'était serré quand même. Heureusement que je me suis fait un petit dossier pour me dire, hein, parce que jamais j'aurais réussi à trouver tout ça. Plus avec le timer, ça met la pression. C'est incroyable. Obtenez le cinquième esprit, il restera dans votre corps jusqu'à ce que vous alliez au palais où il devra être libéré. Super. Le truc qui lui demande de se dire au revoir est arrivé. Oh merde. Raison, Fox. Ouais, je sais. Il va me manquer aussi. Pour toi, cette mission aurait échoué. Quelque chose à te donner. Oh, le petit logo Star Fox. Prince Tricky, Earthwalker, maintenant tu es un membre honoraire de l'équipe Star Fox. Star Fox team. Dad, did you hear that? Me, a member of Star Fox. Do I get my own spaceship? I'll come and visit you soon. Just don't make it too long, okay? Ouais. Oui, il nous suit du coup. Je croyais qu'on le laissait ici. Allez, direction Earthwalker. Enfin, la vallée Tantai, exactement. Pour aller au palais et libérer notre dernier esprit. Et je pense que ça sera la fin de notre aventure. Je pense, j'en suis pas sûr encore. Et du coup, pendant ce... dernière planète... Allez, c'est parti, faire un esprit directement au palais. Je viens d'ajuster ta trajectoire pour que tu puisses atterrir au sommet du palais. Dès que tu arriveras, va vite à l'intérieur, libère l'esprit. Terminé. Oh cool, on y va direct. Et du coup, n'hésitez pas en description, hein, le lien du Discord, du Twitch. Tous les soirs, à part le dimanche, en live. Bon, à part quand il y a des soucis. Comme là, cette semaine, je n'ai pas pu live. J'étais malade. Comme pas possible. On va essayer de faire un match de points. Hein. Maintenant, on va sûrement mettre notre dernier passage. On a combien? On n'a pas encore eu les 1000. Pas loin, mais on n'a pas les 1000. 965. Pas mal pour notre dernier passage. Allez, crase-toi, direct. Chichi. Fermer ça, du coup, je vais supprimer tout de suite. On va se faire une petite sauvegarde. C'est pas que, mais ça met un peu la pression quand même, le fait de... de pas avoir réussi tout à l'heure... Enfin, que ça crache tout à l'heure.
m'a dégoûté. Ah. Ici? Non, pas du tout. Maintenant, faut que j'arrive à trouver où libérer le dernier esprit. Peut-être ici? Ah, bingo, ouais, c'est là. Non, pas du tout. Faut que je monte là direct? Non. Vous m'attaquez les esprits là. Et faites pas les fous. Vous. On va aller par ici, hein. On verra bien ce que ça nous dit. Alors. Là on est au dernier étage. Ah non, le dernier étage c'est juste pour nous de nous faire monter là-haut, ouais. Mais non. Ouh, déjà c'est réglé, c'est pas au dernier. Faut que je le sélectionne. Non, je pose une sélection d'esprit. Hein, normalement, il demande pour se libérer tout seul. Ouais, ça va, Fox. Ta chuchote. Et voir ici. Moi, ici, c'est déjà fait. Large. Chercher pendant une heure là-dedans. Ah, ah bah bingo. On se voit. En fait j'étais mauvaise langue. On va trouver direct. Toujours pas pourquoi est-ce que ils ont été téléportés, enfin pourquoi est-ce qu'ils ont en cristallisé cristal du coup. Bon ça voilà, mon intuition a été quand même vachement bonne. Un peu de combat avant la fin. Par hasard. Allez, on va voir si on peut libérer. Il y en a très cher ami, mais pas très cher ami, on la connaît pas encore. Bon, on peut pas ici. Donc c'est clairement, on peut y prendre le téléporteur là-haut. Où est-ce que ça va nous emmener? Oh. Ah, un ennemi. Ok, ça va être un boss, clairement. Ouais, y a pas photo. Ouais, en plus ça fait un espèce de ring là. Ouais, go le boss, attendez avant. On va se faire un petit sauvegarde ici. Hein. Pas que, mais ça met la pression.
Attendez, Fox McCloud. Ah, bah c'est le ouais. Un gars loin d'être terminé. Et maintenant tu dois m'affronter. Hey, Et je n'ai plus besoin de toi. Hein? Who are you? I demand you show yourself. I am the one you brought to Kazoa Palace. The Earthwalkers could see me, but you could not. I don't understand. No, I didn't think you would. Your desire for power overwhelmed you and blinded you to the truth inside. Now give Fox what he's looking for. Give him the final Kazoa spirit. You will regret this. L'esprit était interdit de lui depuis le début. Je la connais, mais d'où? Donc il y avait encore un esprit. Ok. Alors là. Ça a été rapide. Merde, c'est de quel côté? Ah donc c'est peut-être celui ici parce que j'en ai jamais mis ici. Eh. Hey. Ah j'ai pas tout compris hein. Franchement. Ils auraient pu faire un vrai petit combat en mode big boss final ou un truc comme ça, mais. C'est fait atomiser rapidement. Que se passe-t-il? Vous avez dit que vous la sauverez. Ok, bon bah déjà elle s'est réveillée, elle est plus dans le cristal. Un petit coup de foudre. Mais... je reviens vite voir au dieu croisé. Ouais. Ah, c'est la vision qu'on avait eue au tout début. T'es vos genoux devant moi. Ne mettrai jamais le genou devant vous. Give me that. Hey, wait. Là, si c'est quand même grâce à moi. Tu es ici, non? Le bâton magique, tu veux faire de retour. Ok. Du coup, c'est elle qui va se battre toute seule. Maintenant, nous. Hop. Petit transat, les pieds en éventail. Ok, combat spatial. J'attends ce jour avec impatience. Oh, il y a un gros singe. Donc je te reverrai, Fox McCloud. Andros. C'est qui? Je veux trouver un système solaire de Lila. Je l'arrête. Ah, bingo. Préparer les yeux peut-être. Ah, les yeux aussi. Aïe, peut-être. Je vais bien. Bingo.
Et comment on fait, comment on fait, comment on fait? Il m'a bouffé? Ah, ok. C'est peut-être. À récupérer, c'est ce qu'il me faut. Donne de la life. Ok. Ah, il faut prendre une bonne pointe de front. Compliqué. Ah, c'est là, là dont il m'a retourné le plus quand même. Ça me bute. Ah, ça me retire de la vie, cette connerie. Waouh. Je fasse. Ah, je sais pas, on donne-moi de la life, peut-être quelque chose de bien pour moi. Allez, détruis l'œil, détruis l'œil. Voilà, c'est fini. Aucun coup, il faut arriver. Perdu, Fox McCloud. Et merde. Ça va être tendu. Parce qu'à chaque fois qu'il me bouffe, il me retire une. To see you again, Fox McCloud. Andros. And now. Non, je vais détruire le système solaire. Oui, on a compris que tu voulais détruire le système solaire. Bon. Un petit peu que j'esquive. Futurine. Non,
mode méga spam de quoi là. De oh, aïe. Esquiver ça, franchement. J'ai l'impression que ça leur donne de la life à chaque fois. Et comment il est pas assez grand. Bon, dès que tu le détruis l'humain, il ne fait même pas sa deuxième attaque. J'ai pas le truc. Non, c'est fini, je crois. J'ai pas le truc, il manque quelque chose, c'est obligé. Ok, on peut esquiver ça. J'ai compris le truc. J'arrive à esquiver son gobage de mort. Et Kim Gob il récupère ses droits. Thank you.
Non. C'est serré, c'est serré, c'est serré. Je suis facile, faire gaffe. Ok, j'ai compris le truc. J'ai pris le... Ok. Je cherche la technique maintenant. Maintenant, pour préparer les Didi. Ouais. Allez, vas-y, le jour où tu reviendras, Fox McCloud, Andros, il va détruire le système. Il va pas détruire du tout. Aïe, 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 oh, je suis bloqué dans le coin, je peux plus rien faire. Pas cool ça. Oh, c'est clairement de la triche. Ouais. Il a triché le boss. Me goûte pas, ouais, bien joué. Bien joué, mais. Impeccable. Ok, bingo. Après ça, encore un coup. Encore genre la guerre. Oh. Oh, si. Aïe. Donc j'arrive à faire sauter une. Non, il va pas y arriver, c'est bon. Planète différente, mais pas toujours besoin de l'aide de Falco. Ouais, donc ça me fait plaisir de le voir. Ouh, est-ce qu'il laisse passer lui donc. Je pense que je lui fasse péter les yeux. Je sais plus du tout ce que c'est qu'il a fait. Hein. On va essayer de survivre gentiment. Pas de truc donc je sais pas du tout si c'est dans ça que je dois faire. Faut peut-être attendre une attaque ou je sais pas quoi. Ok,
Merde, hein, faut que j'attende qu'il avale. On va sortir de son contexte. Ça passe, allez. On va nous donner un petit peu plus d'anneaux quand même. Bon, ça part bien pour un sans faute pour l'instant. Aïe aïe aïe, c'est tout pète. C'est bientôt la fin. Encore une. On aura détruit le cerveau. Oh, il est ultra tendance, hein, quand même. Allez, on respire. Bingo! On y est. Oh la tronche. C'est un joli boom, ça, dis donc. J'en ai mal au doigt, quoi. Incroyable. Hey, Falco! Amigo! On nous a bien aidé quand même, hein. Avec les petites bombas. On aurait pu arriver un peu plus tôt quand même. Ça aurait été pratique. Ah, on voit du coup les... Ah oui. Les esprits qui reprennent possession de la terre et... reposer chaque morceau à son endroit. Ah, et ben voilà, une belle terre bien ronde. Ah, bien ronde, elle est pas bien ronde, mais il n'y a plus d'éclat partout, déjà. Ah, les crados. Ah, du coup, même les ennemis, c'est devenu des amis. Ah, c'est parce qu'on a tué le Big Boss, et du coup maintenant c'est nous le Big Boss. La jolie petite musique. On a réussi, Fox. Les planètes est sauvée. Et en plus, Andros est de nouveau été vaincu. Du bon travail. Merci, Général Pepper. Vous avez fait du beau travail. Fox. Ah. Merci, ma famille, d'avoir sauvé leur monde. Et en fait, Tricky vous envoie le bonjour. Maintenant, j'étais très étonné d'apprendre qu'Andros était toujours en vie. Autant que nous. Donc Andros a découvert le pouvoir antique des Krasoa. Donc les gens cristal, et comme... Il a fait de reprendre des forces, ok. Et si au moins, on pourrait dire que nous ne le reverrons jamais plus. Wow. On se fait votre paiement immédiatement. On fait réparer notre vaisseau. En plus il faut absolument de l'huile. Ces jointures, c'est la première jeunesse. On va retrouver l'équipe Star Fox. Hey guys, you don't mind if I hang with you again, do you? Sure, Falco. Okay, Falco, it's great to have you back. The Star Fox team is back together again.
Star Fox est de nouveau réuni. J'ai oublié. J'ai reçu un message de Crystal. Il faut que j'ai beaucoup apprécié ton courage et tes efforts. Je suis vraiment désolé de ne pas avoir eu l'occasion de te parler en personne. Donc il n'y a qu'une chose que je puisse faire. Bien, merci. Ça a été timide. Mon secteur me dit que la température du Fox augmente. Il est pas Fox. I'm gonna be just fine. Impeccable. Bah, nous voilà. On va se mettre comme ça. Nous voilà sur une jolie fin. Un nouveau jeu terminé. Star Fox réglé. Est-ce qu'il y a moyen de passer ça? Non, je crois pas. Hein. En général. Bon bah du coup, comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, mince. En description, le Twitch, le Discord. Bientôt il y aura l'Insta, tout ça, le Twitter. Moi je m'en sers pas grandement, je m'en sers uniquement pour annoncer mes lives. Bon, si jamais vous voulez être informé, n'hésitez pas, ça fait toujours plaisir. Alors, c'est juste la musique qui change, ok, ça marche. J'espère que je vais pouvoir être strike à cause de la musique. Bon, du coup, si jamais pendant que je parle, il n'y a aucun autre bruit, c'est que le son a été strike, hein, tout simplement. Du coup, j'aurais dû le retirer gentiment. Et voilà, je vais vous couper ici. Je vous reprendrai si jamais il y a encore une petite cinématique à la fin. Je vais pas vous laisser tout le générique. Moi je suis pas un grand fan du jeu des génériques, donc je vais pas vous le laisser en entier. Voilà. Allez, ciao! Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo.